Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Yo les petits potes, c'est Brucou, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui nouvelle vidéo pour commencer une nouvelle série les gars, j'espère qu'elle va vous plaire. Alors les gars, vous voyez là, il y a le 2.6, ok. Alors le but les gars, ça va être de faire toutes les win conditions du jeu en enlevant juste le cochon, tu sais, tu changes à chaque fois. Donc on garde la base du 2.6 et on met une neutre win condition. Donc on va directement commencer ce premier épisode avec le cochon. Et donc logique, on commence avec le cochon. Et ensuite on fera toutes les win conditions les gars. Dites-moi la win condition que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Je serai malheureusement obligé de faire la fourreuse avant la prochaine saison puisque elle va être nerve, donc c'est chiant. Donc là je vais voilà, on va faire ça en ladder à chaque fois. Bon là j'ai pas mal d'erreurs parce que j'ai fait toutes les vidéos en même temps parce que voilà, je suis pas en vacances. Bon là regardez, j'ai tous les deck trolls etc. Donc forcément je me suis fait défoncer, j'ai pris en moins 300 mais c'est pas grave. Du coup là on va commencer avec des cochons 2.6 en espérant d'un peu rush quand même. Et puis voilà, donc après je ferai le prochain épisode, c'est sûr que ce sera le comment s'appelle, Goblin Drill. Là. Et après bah voilà, dites-moi ce que vous voulez voir. Il y aura un deux épisodes de la série par semaine. Et puis voilà, gars, j'espère que ça va vous plaire. Avant de vous commencer les gars, n'hésite pas à s'abonner et lâcher le petit pouce bleu de famille, ça me ferait que ça en plaisir, mais c'est tout ce qu'ils feront. Allez, c'est parti, première game contre Clash Reaper. OK, on met un petit cochon. Allez. Ok, petit squelette ici, tranquillement. Donc là, le but, c'est de rush. Là, on a un deck correct, le but, c'est de rush. Donc on va essayer de pas faire trop de conneries, on va pas rater nos placements. On va essayer de faire le mieux possible. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Petite mousquetaire dans le fond, une turn deck, nous sommes à 10. Allez, c'est parti. Ok. Ok, très bien. Un mousquetaire qui va jouer la MG tranquillement, sans aucun problème. Avec la tour en plus, hein. Ça c'est beau. Allez, petit golem de glace ici pour aller tanker. Oh, il foudre. Oh, ça c'est intéressant. Mais là, frérot. Peut-être un peu agressif quand même. Oh, il a une tornade, c'est une blague. Putain. Les match-ups, s'il vous plaît. Yes. Bon, je joue 2.6, je me prends une tornade. Alors, j'ai pas pris de tornade depuis 10 games, mais bon, vas-y, tranquille. Hein. On va remettre un cochon. Oui, c'est du ballon, ça y est, c'est du ballon gel. Hein. Là, on va clairement les boules de feu, par contre. Hop. Petit squelette ici pour aller détruire le bûcheron. Tranquille. L'objet qui va se faire défoncer. Nickel. Attends, mais c'est... Bûcheron, c'est du golem, non? Je vois plus du golem que du ballon. Je suis con, en fait. Ah oui, il a une foudre. Ah oui. Je vais pas mettre de pression, je pense. Je vais juste la jouer full def là. Ok, très bien. Petite mousquetaire ici pour éviter la foudre, évidemment. Je pense que je vais mettre l'esprit. Je vais boule de feu bûche. Ça, je peux mettre l'esprit. Hop. Je vais mettre le gun de glace pour aller. Voilà, nickel. Ok, là il a plus rien. Petit squelette, tranquille. Là, on peut mettre. Le petit Ice Spirit. Nickel, parfait. La défense qui est clean. Ok, on va aller remettre un cochon. Petit cochon, on a fait une bonne défense pour l'instant. Ok, on va prendre deux coups de cochon. Ça fait plaisir. Ok, repose golem, très bien. On va aller juste mettre un petit golem de glace quand même. Faut recycler, faut que je recycle le cochon. Hop. On a déjà recyclé notre canon, bien évidemment. Ok, un petit coup de cochon, ça c'est plutôt pas mal. Là on va tout évidemment kite, hein. Ça me paraissait logique, on va kite. Ok, là on va boule de feu bûche encore une fois. Mettre l'esprit. Mettre le canon plus le golem de glace. Ah non, les gars, il y a un... Comment ça s'appelle? Il y a une chauve-souris qui est restée connectée. Non, s'il te plaît, non, bébé dragon, fais pas de dinguerie. Ok, ça va. Ouais, malheureusement, je pense que c'est une game lose. Et ouais, il spam trop. Je peux rien faire, il a trop spam. Je peux rien faire.
C'est pas grave, bon, là, faut pas redescendre, par contre, là, on descend pas de ligue, les gars. Là, on est déjà actuellement en moins 800 pour l'instant. Enfin, pas depuis que je joue des Tech Troll, mais enfin, en total, je suis moins 800 en 2 jours. Ok, on repart en cochon, c'est parti. Donc, on va faire 5 games par épisode, je vais te préciser, les gars. Les gars, à chaque fois, c'est pas des petites fakes, ok. Je mettrai, genre, par exemple, Golem 2.6, tu vois. Ok, ça c'est. Il a très bien joué là. Yes. Les match-up, les gars. Yes, les match-up. Encore un bâtiment tornade. Là, il n'y a pas de bâtiment, il n'y avait qu'une tornade. Là, il y a bâtiment plus tornade là. C'est. Nice. Let's go. Ça qu'on veut voir. Hein. Ok, là, il va tornade. Je vous évite qu'il tornade mon mousquetaire. Ouais, mais quelle grosse merde. Ah, c'est cette tornade, ce bouffon. Ah bon, il fout, là c'est la merde. Hein. Ok, ok, ça va. Première défense clean. Je pense qu'on va directement remettre une pression. On remet une pression, c'est parti. Ok. La skate qui va prendre l'aggro du gobelin. Le gobelin qui va prendre l'aggro de skate, je veux dire. Donc ça, c'est plutôt Gucci. Là, on va mettre deux coups de cochon, peut-être trois. Non, deux coups de cochon. Là, on va juste le kite. Ok, le Dark Prince, ok, on va les bûches. Voilà, on va essayer de faire gaffe qu'il nous préchote. Quoi? Ça, je vous avoue, c'était pas prévu du tout, même. Ça fait mal, hein. Ça fait bobo. Ok, bon, nickel. La défense qui est clean, par contre, quand même. Ça fait même la défense est clean, donc ça va. Ok, on part en cochon. Nickel, la mousquetaire qui focus le bébé. Oh, il a pas de cette tornade. On va juste cycle. Ouais, nickel. Golem de glace. On va essayer de recycler un cochon. Ok, bon, là, je sais exactement ce qu'il y a à faire, là. C'est pas prévisible du tout. Ah, il y a pas de faire. Putain, fais chier. Ok, c'est pas grave, on golem de glace. Petite mousquetaire. Ok, il repart comme ça, très bien. On va sacrifier le cochon. Pas grave. Là, il faut défendre, là, maintenant. Ça peut être une partie de plaisir, mais il faut quand même défendre. Bon, on va kite le Dark Prince, hein. C'est inutile de mettre des choses derrière. On va juste le kite. Ok, on va faire ça venir là. Je m'en doutais qu'il allait tenter un truc comme ça. Bon, ce qui est, c'est que ça suit, nickel. Venez, petit squelette là, hop. On peut remettre le canon là. Pour que ça, la mousquetaire peut le focus, hein. C'est juste pour ça que j'ai fait ça. Ok, la mousquetaire peut le focus.
Ouais, les gars, c'est bon, re. Ouais, bon, voilà, on a gagné la game, les gars, assez complexe, hein, mais vas-y, on a gagné la game. J'ai plutôt bien joué, donc on part directement dans cette troisième game. D'ailleurs, il vient prendre un micro, hein. C'est ma porte d'entrée, ok, et du coup, bah. Ça m'a débranché quelque chose, et du coup, ça m'a fait bug mon micro, mais c'est pas grave. C'est bon, du coup, j'ai réglé. Et du coup, c'est cool. Allez, c'est parti, on repart. Oh, mon cochon, s'il vous plaît. Oh, mais c'est pas possible, c'est un truc de dingue. Frère, je me tape deux tornades, et maintenant, je me tape un tornade de bâtiment, et là, je me tape un pêcheur. Bah, génial. Nice les match-up, hein. Oh, vas-y, j'ai raté mes placements, putain. Quel bouffon. Bon, par contre, non. On va le kite. Comment je peux faire là pour passer, étant donné qu'il est un pêcheur? Il va sûrement avoir un bâtiment, évidemment. C'est grave quand même, hein. Je peux pas jouer, frère. C'est un truc de dingue. Et au passage, pour toi qui me demanderais, les gars, voici la raison parfaite de pourquoi j'arrive pas à jouer. À rush, je veux dire. Parce que je me tape toute la journée que des match-up de merde. C'est un truc de dingue. Ouais, vas-y, on va boule de feu. Là, ce que je peux faire, c'est ça, ça. Ok, bon, c'est pour l'instant, c'est cool. Ah, je vais encore pas prendre de coups, c'est honteux. Faut que je mette bien celle-là, comme ça, ça fait bien tourner. Ouais, c'est du GR, hein, je m'en doutais. J'espère que c'est du GR boule de feu, pas du GR foudre. Et par l'autre côté. Évidemment, il laisse empêcher un petit coup, s'il te plaît. Yes. On a eu le petit coup que je voulais, c'est bon. Ah, ouais. Il est ça. Attends, parce qu'il y a quand même pas mal de monde là. Attends. Pousse deux secondes là, hop. On a fait une putain de défense par contre. Ok. Ouais, bon, forcément, il est le bâtiment. Et dès qu'il appelle le bâtiment, il est le pêcheur. Et quand il appelle le pêcheur, il est le bâtiment. On va tenter le cycle encore. Hein. Allez, hop, c'est reparti pour une tournée de spam. Ok, là je peux boule de feu. Ah, attends, peut-être là si ça focus l'esprit, ça pourrait être pas mal. Ok, là c'est pas mal. Là, un petit coup. Nickel. C'est dommage qu'on mette pas de deuxième coup. Ok, bon, ça m'a pas plus défendre que ça. C'est inutile. Là, on va essayer de pas rater le placement de mes squelettes. Nickel. Ok, on repart, c'est parti. Peut-être le Dark Prince qui peut... non, qui tourne pas malheureusement. Ok, c'est pas grave, on va direct boule de feu. Pense pas de questions. Ok, nickel, les golems qui se fait pécho. Hop, là on peut mettre ça. La petite bûche ici. Tranquille, non j'ai raté mon... Oh non. Pas comme ça. Ok. Oh, le gobelin, par contre, il a tellement gratté, genre what the fuck. Ah mais vas-y frère, il envoie toute sa daronne. Un truc de dingue genre. Ah ouais mais je peux rien faire, le mec il a un... c'est même plus un match-up qu'il a. On fout. Il va refaire sa spéciale GR là. Allez, dis-moi que t'as pas le pêcheur, peut-être pré-shot du pêcheur. Ah non, ça focus. Allez, elle donne un coup, mais donne un coup. Putain, frère, donne pas de coups. Ok, donc attends. Là, faut pas que je fasse ma défense. Hein. Attends, là, on fait comme ça. Là, on met la bûche. On peut dire être boule d'œuf. Dès qu'on met la bûche, on boule d'œuf. On met ça là. Il y a plus de canon. On en remet un. On peut mettre un cochon directement de l'autre côté. Là, on peut tout de suite aller bûche. On peut les petits squelettes pour aller le pêcheur, hein, évidemment. Là, on peut remettre un deuxième canon. Enfin, un autre canon, en fait. Mon 55e canon. Allez, un petit coup encore. Nickel. Petite bûche qui suffit très bien. Ouais, bon, je pense que c'est le zin. Voilà, on a 500 HP, mais bon.
Allez, tête le cochon. Allez, 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 allez. Ouais, c'est GG. C'est GG, les gars. Allez, on part pour la dernière game, les gars, de cette vidéo. Vas-y, j'ai trop le seum d'avoir perdu, là. Vas-y, j'ai trop bien joué toute la game. Il a full spam. Alors, allez, Hard Counter. Et... ah non, on a 3 games. On a fait 2-12. Ah, merde. On a pas rush, là. On prend des rush, là. Bon, du coup, on part sur cette 4ème game, du coup. Lava Master. Oh, non. Non, s'il vous plaît, le jeu. Soyez Clément, non, pas de lava, non, c'est... ok, non, mais c'est pas possible, mais c'est un truc de dingue. Oh non, c'est du molosse pêcheur, oh putain. Ah bah nice le match-up, là. Ah ouais, super nice, là, même le match-up, hein. Bon, vas-y, on pushera tout. Bah ouais, ça peut Kate, le ça. Ok, là, on peut mettre l'esprit, qui va permettre de prendre 0 de coups. Ah ouais, frère, du molosse. Du molosse ballon avec un pêcheur, bah nice le match-up, hein. Let's go le jeu, quoi. Ok, petit cochon. Bon, c'est vrai qu'il est con, mais... là, il avait juste... oh, mais vas-y, il est trop nul. Non, mais quoi? Bon, est-ce qu'il est bien gratté, par contre? Yes, nice, let's go. Attends, on va juste défendre ça quand même, histoire... oh non, faut défendre un molosse ballon. Ok, attends, mousquetaire. Je suppose qu'il peut en saquer une autre. Ok, là, on va aller mettre le ça là. Hop. Ça, c'était forcément obligé. Forcément. Ok, là, on peut mettre la bonne boule d'œuf. Et on a recyclé le non-mousquetaire. Alors on a fait une défense plutôt pas mal, hein, je trouve. On a fait une défense pas mal. Oula, j'ai pas dû le mettre. J'avais pas vu qu'il y avait les gargouilles. Vas-y, mais d'où ça pêche pas un mousquetaire, là, putain. Là, c'est m'envoie un ballon, mais je suis fini, là. Ok, attends un peu bûche. Envoyer tic qui coûte. Ok, première mousquetaire. Ah oui. Ouais, je fais cochon, mais bon, c'est inutile, hein, je le sais. Hein. Ah ouais, il va juste me donner une putain de bonne boule de feu par contre. Ah ouais. Bon, bah, du coup. De la suprasso, ça t'en peut mettre la mousquetaire. Avec l'esprit. On est peut-être les petits squelettes là. Et en vrai, ma défense, est... je trouve qu'elle est plutôt clean. Par contre, en vrai, enfin, je trouve qu'elle est même putain de clean même. Ok, le halouf. Allez, un dernier coup, nickel. Un dernier coup peut-être. Oh, let's go. Oh là là, les gars, on a battu Hard Counter. Hein. Voilà les gars, ça fait plaisir là de battre un petit Momo là. Voilà, même s'il avait le pêcheur 11 et les squelettes 12, ça changerait. Hein. Il aurait dû activer la tour du roi. Bon, il était un peu con, mais après, t'as sur quoi le trophée, donc frérot. Donc bon, hein. Pas trop y en vouloir. Allez les gars, dernière game de cette vidéo là, c'est sûr. Contre Braddock. Braddock, ouais. J'espère avoir un bon match là cette fois-ci. Ok. Ah bah, du Lemgo, bah tiens, pour changer. Du golem ou du zapi, en tous les cas, j'ai pas un bon match-up. Oh, j'ai peur d'avoir raté le kite, oh putain. Oh, le coup de pression, imagine tu rates ton kite. Ouais, c'est du géant zapi. Très bien. On pose le canon. Allez, hop, c'est parti. Petite mousquetaire. MNMG, oh non, c'est du géant cimetière. J'ai un double prince. Ok. Si c'est ça, c'est stylé. On a fait une bonne défense. Hein. On a fait une très très bonne défense. Allez, ouais, c'est du géant double prince. Géant double prince. Je pense pas que j'ai le match-up. Hein. Oh putain. Ça, c'est la sauce niveau maximum. Ok, bon là, on va...
Boule d'œuf plus esprit, je pense. Allez, saute. Oh non. C'est terrible, ça. C'est terrible. Oh, mais le frère, le géant, je peux pas le défendre. Truc de ouf. Ok, bon. Bon, maintenant, je sais le match-up, hein. Je sais pas le match-up, ça, c'est sûr. Quoi? Ah ouais. Bon bah là au moins c'est vraiment sûr à 1000% que j'ai pas de match-up là. Ok. Il pose un appui tout seul comme ça. Ah bah d'accord, le porte lumière. On a des petits squelettes. Je sais que je les ai mal placés mais c'est pas grave, on a l'esprit dans tous les cas. Ouais, ça devrait le faire. On peut les boules de feu, on peut aller mettre les cochons. On peut bien évidemment aller mettre la bûche hein. Allez, pousse. Oh, vas-y. Non. Nice. Je vais la redéfendre. On va tenter de remettre une pression. Voilà, repousse le zapi, frère. Je peux rien faire. Après, me faire dégommer, je peux rien faire. Oh, il a un Dark Pulse aussi. Oh, le match-up de merde que j'ai. Bon, après, je sais que je force peut-être un peu trop, mais bon. Dema, comment il joue, s'il vous plaît, genre, s'il vous plaît, deux secondes là. On va laisser taper le Dark Prince en vrai. Hein. Oh, attends, ma défense là, elle était clean. Hein. J'ai bien aimé ma défense là. Ouais, mais je vais toujours pas pouvoir connecter un cochon, c'est un truc de dingue. Je vais gratter, j'ai saqué le boule de feu. Oh là là, quelle horreur ce jeu, un truc de dingue. Bon, là, c'est la défense ou rien. Ah ouais, je peux peut-être aller bûcher et terminer le zapis, serait bien, ça termine. Évidemment. Non, c'est pas drôle. Non. Oula, que non. Enfin, mes frères. Un match-up trop compliqué. Bon, dommage. Maintenant, malheureusement, on aura terminé avec... On aura fait 5 games, 5 encounters. C'est un truc de ouf, genre. Frère, il a tout pour défendre. J'ai rien. Ah ouais, non, c'est fou. C'est fou, les match-ups. C'est fou. C'est... Bon, les mecs, ils ont abusé, là. Hein. Bon bref les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, commentez hashtag Hard Counter quand même, hein. Hashtag HC ou Hard Counter comme vous voulez. Voilà les gars, c'est Brekou, ciao.